la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre accueille pour la première fois un couple de faucons. Et les habitants sont invités à les observer. Un faucon, c'est bon pour l'image de la commune, réputée ipso facto respectueuse de l'environnement. Pour être franc, je ne suis pas un grand fan du faucon pèlerin. De son œil jaune, il semble mépriser les disgracieux bipèdes que nous sommes. On l'admire, lui nous toise. Et d'ailleurs, pourquoi devrais-je m'y intéresser? Il n'habite pas Bruxelles. Les faucons pèlerins ne vivent pas à Bruxelles, ils ne vivent pas en ville, ils vivent au-dessus de la ville. L'espace aérien est leur espace. Et la ville, Bruxelles ou une autre ville, est probablement accueillante par le fait que le dérangement est limité. Et il y a des bâtiments en hauteur qui sont de très bonnes répliques des falaises, qui sont sous nos latitudes, les endroits où ils nichent naturellement. Ah, oui, j'ai vu. Vous l'avez vu? Oui. Oh, là, je suis certain qu'il l'a attrapé.